m'appelle Romain Galou, j'ai 25 ans et j'habite une petite ville appelée Dreux, qui est dans le centre de la France, en Eure-et-Loir, dans le 28. Je suis aussi footballeur américain depuis maintenant 4 ans. J'anime une chaîne YouTube qui s'appelle La vie du tous les jours et qui parle de football américain sous tous les angles, où je mets en scène un peu toutes les situations qu'on peut rencontrer dans ce sport. C'est grâce à cette chaîne que j'ai pris contact avec Christophe et Pascal, qui sont les deux créateurs de la marque Amerfoot, et avec qui maintenant j'ai un partenariat depuis un peu plus de 6 mois. Alors pour moi, la découverte du football américain, je me rappelle très bien, c'était à l'anniversaire d'un ami. Il avait invité plein de monde dans sa baraque, et puis notamment des footballeurs américains. Et j'ai fini par leur demander, voilà, où est-ce que vous jouez et tout. Et ils jouaient dans ma ville à Dreux, je savais même pas qu'il y avait un club de football américain à Dreux. Et ils m'ont dit, voilà, tu peux essayer. Donc j'ai été faire mes tests, d'ailleurs complètement à l'arrache, avec des baskets toutes lisses sur un gazon trempé, le jogging à l'arrache et tout. Enfin, le mec qui débarque, quoi. Et je m'étais entraîné avec les receveurs à l'époque. Et ça m'avait grave plu, du coup, j'ai pris ma licence directe. Alors pourquoi la vie du tous les jours? Tout simplement parce qu'au début, ça devait vraiment parler des petites choses de la vie quotidienne. C'était pour faire marrer les potes au début, c'était une connerie, quoi. Et puis il y a aussi le du de la vie du tous les jours. Donc il y a plein de gens qui pensent que c'est une faute de frappe ou une putain de faute de grammaire, alors que pas du tout. C'est encore une fois un truc pour faire rire les potes à la base. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ça comme ça, la vie du tous les jours. Ce que j'ai tout de suite aimé, et je pense que c'est parce que je suis pas dans un grand club, c'est que chacun a sa place. Je veux dire, tout le monde est le bienvenu et on essaiera toujours de te trouver une place au sein de l'équipe, parce que c'est avant tout un loisir en fait. Et il n'y aura pas de compétition entre les joueurs, ou alors c'est une compétition positive où tu tires ton pote vers le haut. Mais bon, ça, je pense que plus le niveau évolue et plus ça change, quoi, cette mentalité-là. Alors, ce qui me plaît pas dans le foot américain made in France, c'est le fait de faire venir des Américains pour jouer en France. Mais voilà, on veut démocratiser le sport en France, donc le football américain en France. Donc si vous faites venir des Américains, ben, ça reste du football américain, mais joué en France, quoi. Et je trouve quand même que c'est la solution de facilité de faire venir un ricain qui lance la balle depuis qu'il a 4 ans et demi, que de se faire chier à entraîner le petit Français, qui, je suis sûr, pourrait être aussi bon que l'Américain si on s'intéressait un peu à l'entraîner, quoi. J'ai plein de nouvelles idées pour de nouvelles vidéos, pour faire découvrir encore plus le football américain en France, et pas notamment en tant que joueur. Je parle aussi du cheerleading, de l'arbitrage, du football américain féminin. Ça me paraît super important de parler de tout ça, parce qu'en fait, le football américain, c'est un tout, et chaque section a son histoire, qui a formé en fait le football américain qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, j'ai créé cette chaîne pour que tous ceux qui se sentent concernés par le football américain de près ou de loin puissent la faire vivre avec moi. Donc faut surtout pas hésiter à me balancer des idées, des dédicaces, envoyer des photos, des anecdotes. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont des anecdotes de fou à me raconter. Et ça pourrait être super marrant de mettre ça en scène dans une vidéo et tout. Donc surtout, hésitez pas, quoi. J'ai eu aussi l'immense honneur d'être choisi comme parrain de l'équipe suisse, les Knights de Neuchâtel, pour l'année 2014. Je remercie d'ailleurs leur président Hervé pour cette idée complètement loufoque pour moi. Et donc, j'ai peut-être un voyage en Suisse de prévu pour 2014, quoi. Alors, je remercie avant tout les Monarques de Dreux, sans qui toute cette aventure, elle aurait jamais pu exister. J'en profite pour remercier mon coach Romain Fratus, qui a cru en moi un peu dès le début. Et bon, c'était pas gagné, hein, mais il l'a fait, donc c'était cool. Un grand merci aux Knights de Neuchâtel et à Hervé, voilà, de m'avoir choisi comme parrain. C'est vraiment un immense honneur, et donc j'espère être à la hauteur de ce titre. Je remercie Pascal, Christophe et la marque Amerfoot pour m'avoir soutenu encore une fois, et puis aussi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui grâce à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris à un peu mieux me connaître.
Et pour finir, un grand merci à vous tous qui me suivez et faites vivre la chaîne. En fait, tout ça, c'est grâce à vous. Donc aujourd'hui, c'est vous que j'ai décidé d'applaudir. Je vous remercie énormément. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci pour tout, quoi.